Bon là, vraiment pour la première fois, on se met dans le sillage de l'Hermione historique, puisque l'Hermione a remonté la Delaware jusqu'à Philadelphie. Et elle est arrivée exactement au Cap May le dimanche 22 avril 1781. Et elle a mis 8 jours pour remonter à Philadelphie. Nous, on aura mis quelques heures. Quelques dizaines de mètres près où était mouillée l'Hermione. Oh, la barre. On the reading. La barre est à zéro. Are you gonna be docking the Eagle? Une belle arrivée. Alors en fait, on était les derniers de la parade. Enfin, pas tout à fait les derniers, parce que l'Eagle qui devait être avant nous était derrière. Et puis, on devait saluer le New Jersey, qui est ce cuirassé magnifique là. Donc, on a salué le New Jersey, et puis ensuite, on est venu s'accoster ici à Pent Landing directement, après avoir tiré une trentaine de coups de canon. Je pense qu'on a fait beaucoup de bruit. Enfin, c'est important, effectivement, parce que l'Hermione est venue à Philadelphie le 30 avril 1781. Et voilà, c'est une retrouvaille de l'Hermione avec Philadelphie. Oui, alors c'est un double événement, puisqu'il y a l'événement de l'Atoll Ships, hein, c'est les rassemblements des grands voiliers qu'on rejoint pour la première fois.
Et puis, c'est l'événement de l'Hermione, évidemment, et tout ce qui est historique derrière. Donc pour Philadelphie, c'est un double événement, double fête. Thank you very much for your warm welcome in Philadelphia to our crew and to all the French and American teams of L'Hermione. For over 20 years, we have looking forward to this landing in Philadelphia. And now the day has come! I am particularly happy to be here at the Philadelphia Camden Tall Ships Festival. It was in Philadelphia that Continental Congress confirmed the 90-year-old Lafayette as a soldier of the American cause to become Washington's Union General and virtual adopted son.